Bonjour à toutes, bienvenue à ce cours en ligne sur le climat et les marchés carbone. Je m'appelle Seyni Salak, je suis coordinateur régional thématique au centre de compétences de Wascal 6 à Ouagadougou et je participe comme tuteur à ce cours en soutien au professeur Goodwill Namo. Ce cours va se répartir sur 5 semaines. Et il sera en 2 phases. Dans la première phase, nous allons discuter de l'historique, mais également des termes importants pour vous à comprendre, pour vous engager justement dans le concept, dans les concepts et dans le cadre aussi des marchés carbone, mais avoir l'essentiel en termes de compréhension sur les différentes conventions existantes. Alors, je viens en soutien pour les francophones, les participants francophones au cours en ligne. Du coup, je vous exhorte à vous souscrire sur la plateforme dédiée au cours pour pouvoir poser vos questions et soyez libre de les poser. Dans cette première phase, les cours sont donnés de 3 manières. La première, c'est une présentation succincte à partir d'un PowerPoint, l'essentiel des idées par module. Il y en a 4, il y a 4 modules. Et dans chacun des modules, vous avez des liens essentiels vous menant vers des matériels et des vidéos YouTube que vous pouvez encore utiliser à contribution pour mieux comprendre les jargons et les termes utilisés. Ensuite, une troisième façon, justement, de prendre l'essentiel, c'est l'exercice. L'exercice vous permet de vous auto-évaluer pour voir en quoi est-ce que vous avez bien compris les termes et les modules. Chaque module a son exercice et il est fortement recommandé de passer ces exercices-là afin de s'auto-évaluer, mais également de pouvoir aspirer à un certificat à la fin. Et donc, au vu du thème discuté et de l'actualité de ce thème-là, il est important de participer. Ça vous forme quant à comment engager votre pays ou votre institution dans le concept de marché carbone. Vous préparez également vers les marchés carbone, mais mieux encore, comprendre les différentes conventions et les termes utilisés dans le cadre de ces conventions-là pour que globalement on puisse participer à l'atténuation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à l'adaptation aux effets des changements climatiques globalement, mais localement aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez sur la plateforme, posez vos questions en français. Je serai disponible avec le professeur Goodwill Namo pour répondre à ces questions-là autant qu'on le pourra. Merci beaucoup.